Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir se prépare une belle petite session. J'espère que tout est en ordre. Je vois. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est good. Bonsoir à tous, ça fait plaisir d'être de retour avec vous. Aujourd'hui au programme, je vais jouer des tournois classiques, comme d'habitude, des buy-in de tout genre, une session normale. Je vais jouer l'extrême, je vais jouer le Battle Royale, je vais jouer des tournois à 10 euros, des tournois à 20 euros, 50 et plus. Après, je vais aussi jouer à 21h le Winamax Stream Gang, le tournoi du samedi. Je pense que les modérateurs vont vous donner le mot de passe sur le chat. Ça va être un chouette tournoi. Tournoi à 2 euros. Très sympa. Venez nombreux. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Je me suis acheté un petit casque. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me donnerez le retour. Si jamais il y a un problème, je l'enlève. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à me dire un peu ce que vous pensez du stream et ce qui va pas. Et voilà, et aussi me donner des conseils. La dernière fois, vous m'avez donné des bons conseils. Grâce à vous, j'ai pu jouer des tables. J'ai pu mettre en big blind et j'ai pu me positionner à table, chose que je ne faisais pas avant. Et depuis lors, j'avoue que ça me réussit bien, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, je suis là pour écouter vos conseils, on échange et voilà, on va progresser ensemble. Je vais démarrer en m'inscrivant directement sur l'extrême qui a commencé à 18h, donc on est déjà un peu en late reg. Je vais ouvrir 4 tables. Qu'est-ce que je peux ouvrir d'autre? Je vais ouvrir. Ce Monster Stack, il est full ring, c'est pas drôle. Le petit Deep Run à 10 euros au dernier moment, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je vais jouer d'autre? Je vais jouer le Battle Royale. On va s'inscrire directement. Et je sais pas, une quatrième table. Le Monster Stack, c'est full ring, ça m'excite moins. J'ai envie de jouer du Six Max ce soir. Je vais jouer le Nitro, il est turbo, il est bien, nickel, ça me plaît. Et voilà, on a 4 tables. Je vais virer le chat. Je flop direct une flush. Ça commence bien. Bon, check. Je vais bien entendu miser. Je me mets directement en big blind. Je vais miser. Un peu en dessous de la moitié du pot. Il paye, c'est plutôt bon signe. On est bien. Je m'organise. Je vais positionner donc ma place. Par contre, la fois passée, j'étais en bas à gauche et je réalise que je préfère en haut. Je suis pas encore tout à fait prêt là avec le setup. Je vais miser cher. Deep blind, je pense qu'il a souvent quand même pour check call, il a souvent des mains. Pff, ouais, malheureusement, il fold. Ici, directement en all-in. J'ai une premium. Donc oui, cette position, j'ai l'impression que c'est la position optimale. C'est la position où je suis le plus focus. On va payer et je domine sa main. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah! Pas gentil ça. C'est bien, je me prends les bad beats sur les tournois à 10 euros et je vais run good dans les tournois plus chers. Ça me va. Ça marche. J'ai pas envie de m'inscrire dans les tournois qui viennent de commencer. C'est pas drôle d'être là au premier niveau.
Je vais checker quel tournoi je peux jouer qui pourrait m'intéresser. Ouais, ce Monster Stack, c'est celui-là, je ne l'ai pas joué. Six Max, 1000 joueurs, parfait, nickel. Ça, c'est bien. Je ferme l'ancienne table. Et voilà. Je suis pas en big blind ici. Voilà, je suis assez bien ce soir, je le sens bien. Les sessions du samedi sont réputées pour être les plus belles. C'est là où je pense que j'ai le meilleur rendement, même si je joue très rarement le samedi. Le samedi, c'est là où il y a les gens, les joueurs plus occasionnels qui vont s'inscrire. Et puis les gens qui arrivent bourrés en boîte de nuit ou qui jouent avec leur téléphone dans des bars ou dans des endroits insolites. On vole les blinds avec deux as. Ça commence mal. Bon, je vais open un peu. On va se mettre à l'aise. Bon, on n'est pas pressé, c'est les débuts de tournoi, même que comme j'ai les drakes quand même pas mal, on voit que souvent l'average est au-dessus de mon tapis dans tous ces tournois. Après, voilà, on a une très bonne profondeur sur le Battle Royale. Ici, je vais 3-bet justement parce que la big blind est très short. Et du coup, s'il shove, ça ne me dérange pas parce que il a un bounty à prendre. Et voilà, il y a une range au bouton d'open assez large du coup. Du coup, je vais c'est bet 7,7 blind, un tiers du pot, c'est nickel. Il colle, c'est pas terrible. Du coup, je vais faire beaucoup plus cher. Oh là là, il se cuit sur toute la table, sur le nitro. J'ai just call avec une premium. Mais bon, c'est le nitro, je ne veux pas falder une main aussi forte. Ici, les deux sont bons, je peux raise ou je peux just call. Je pense que je vais just call. Il y a souvent un petit quelque chose, ah là là. C'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible, je veux fold détente. Sur le nitro, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'infos. Il se cuise quand même sur 3 joueurs, ça montre beaucoup de force. S'il fait un tiers pot, ce qui est un bon sizing, un flop dry, s'il était light, il aurait ses bêtes. Mais bon, je pense pas qu'il est light, il n'y a pas de raison qu'il est light. Je pense s'il shove, j'aurais plus envie de call. Mais... Oh là là, j'ai pas. Un gros fold. Je pense qu'à ses limites et tout, on voit rarement prendre ces gens des grosses cuisses light. Bon, à part ça, toutes les limites, ça montre de la force. Relance UTG, 3 bêtes. Trois bêtes en big blind, alors qu'on est 4, ça montre beaucoup de force. Donc ouais, je vais essayer de voir toutes vos questions. Salut Dividi, je m'appelle Davidi. Je vais essayer de répondre à tout ça. Et voilà, sur le Battle Royale, il y a un shove du short stack, ce qui fait plaisir, mais on s'attend à ce que d'autres joueurs fassent des bêtises. Call call de la SB. Ici, je peux décider de l'ISO et je peux just call. Je vais just call. J'ai pas trop. J'ai une main qui se défend très bien. Je peux gagner un gros pot in the side. Détente, trouve un flush draw, c'est pas mal. J'ai aucune idée, une utilité de miser ici. Le short stack a souvent une meilleure main que moi à ce stade. Donc je peux prendre des gros pots en touchant une flush.
J'ai rien besoin de protéger. Voilà une très belle carte. La SB qui check. Je vais miser 10 blinds, je pense. 11 blinds peut-être. 10 blinds, ça m'a l'air bien. Un peu plus d'un tiers pot. Je pense qu'il y a un peu limit induce. Malheureusement, il passe. J'ai oublié ce qui s'est passé avec As-Valet. Ah non, il a fold bêtement sur le 3-bet. Ok. Ok, voilà. Tout va bien, on est bien. J'espère que tout va bien chez vous aussi. On est samedi soir, c'est le moment d'être un peu, de faire les geeks. Ou bien de prendre l'air, de partir avec des amis. Donc j'imagine que certains d'entre vous seront pas là. Mais d'autres seront là. Et voilà. Hein, c'est... Je sais qu'il y a les streams de Viet Phu aussi tous les jours. Voilà, c'est. Il n'y a pas de challenge ici. C'est un peu un autre concept. Je joue des limites plus hautes. Et du coup, c'est très différent. Good luck pour ta session. Good luck, good luck. Tu joues combien d'heures par semaine, Davidi? J'ai pas vraiment de règles par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que je joue tous les dimanches. Ça, c'est la règle d'or. Et après, vraiment, ça va varier. Par exemple, pendant les Winamax Series, je vais jouer tous les jours. Et puis, il y a d'autres moments où je joue très très peu. Un peu selon l'envie. Quand j'ai envie de jouer, je joue. Quand j'ai pas trop envie, je joue souvent mal. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de gens bourrés à mes tables. Ça joue assez tight. Quand je relance avec mes premiums, tout le monde fold. Pas de folie. Bon, un gros tapis qui relance au bouton. Je défends droit 6 off. 10, 4, 5. Pas terrible. Il check. Je vais checker. Ici, par contre, je préfère bluffer. Je vais passer ici. Très bon joueur qui relance au bouton. Quelque chose que j'avais pas fait gaffe la fois passée, qui a l'air de se reproduire un peu plus aujourd'hui. C'est que j'ai des notes sur des joueurs. Et comment je dois faire pour lire les notes avec le stream? J'ai pas envie que mes adversaires voient les notes que j'ai sur eux. Ce serait pas marrant. Je pense comme d'habitude, les streams au début c'est un peu moins excitant et puis au plus on s'approche des fins de tournoi, au plus il y aura de l'excitation, ça va être intéressant. Ouais, je suis vraiment assez confiant aujourd'hui de faire une grosse session. La fois passée j'avais perdu quelque chose comme 430 euros, mais j'avais gagné un expresso à 100 euros qui était tombé sur 500. Du coup, j'étais plus ou moins à jeu, mais cette fois-ci, on est samedi, je suis chaud, j'ai pris l'habitude. J'ai l'impression que je vais gagner gros ce soir. On les salue, les chauves. Oh, la belle turn sur le nitro. Dommage. Allez, on est bien. Le Battle Royale où je couvre tous les joueurs à ma table. Alors, il y a juste un joueur qui me couvre.
Et j'ai déjà un bounty, donc c'est un très bon départ. Sinon, j'ai quelque chose à vous montrer, un pull. J'ai mis le pull spécial pour vous. Vous pouvez voir le pull. Allez, salut! Spécial dédicace à Alain Leverroux, T-shirt corner, qui me l'a fait personnaliser. Très sympa de sa part. Et voilà, très pull à capuche, très détente, on a assez bien. Et voilà, ça va porter chance. Allez, salut! Donc ouais, le but du allez salut, c'est dès que je buste un joueur, vous entendrez un allez salut. Et donc au plus j'utilise cette expression, plus ce sera bon signe. Et ça voudra dire que la session se passe très bien. Bi! L'extrême, je regarde jusqu'à quand on peut les drag, 21h06. C'est dans ce genre de tournoi, un samedi comme ça, je vais pas avoir peur de re-entry. Il y a beaucoup à la gagne. Donc ça va me faire jouer, pas avoir peur de gamble un coup ou deux, de faire des plays un peu high variance. Ici par exemple, c'est pas high variance, c'est des builds de call avec 9 et 10. Donc, à ne pas confondre high variance et débilité. Ici, je vais lead sur ce flop. Je trouve ça pas mal. Elle m'a fait 3 bêtes. J'ai valet dame de pique. Je call. C'est pas un très bon flop. Je vais give up. Ici, je vais. Relead sur le 10. Ça passe. Ok, par contre, je suis un peu dispersé par rapport à mes buy-in. J'ai des tournois assez chers. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Je pense que ceux en haut. C'est là où je vais être le plus focus. Peut-être je me trompe, mais bon, ce joueur, je lui ai quand même déjà pas mal mis la pression. Là, j'ai une vraie main. Il se peut qu'il me chauffe beaucoup de paires à inférieur, donc ce serait nickel. Je demande que ça. Voilà, monte-moi une paire inférieure. Voilà. Allez, salut! Non, 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 non. Oh! Ça commence bien. Voilà, j'ai fait la fête trop tôt, c'était mérité. C'était mérité. J'avais pas vu que je pouvais perdre au flop. Je croyais que j'étais à 100%. Et non, c'est le poker, c'est un sick jeu. Il avait encore quelques odds. Assez sick. Il faut être préparé, on va en voir des coups sick. C'est comme ça, après les bad beats et tout, on s'en fout, ça fait partie du jeu. Ici j'ai une main qui nécessite une protection, je misais 3 blinds. Il peut checker de temps en temps des mains un peu meilleures que la mienne, mais c'est plutôt rare, j'ai souvent la meilleure main, je pense quand même. Je vois venir un coup intéressant. Ouais, là j'ai un call évident, il y a des bounties, j'ai une belle cote, sans compter la belle cote implicite si je touche un 3. Après, ouais, je pense que
Pas trop de raisons qu'il soit light, voilà un flop catastrophique. Une petite question qui me demande depuis que je suis papa, est-ce que ça a changé beaucoup de choses à ton grind? Honnêtement, un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Je n'ai jamais été un énorme grinder online. Et donc ça a un petit peu changé peut-être, que je joue un petit peu moins souvent. Mais encore, c'est pas vraiment vrai, c'est vraiment close. Je pense honnêtement que ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ça. Les premiers mois de sa vie, elle avait tendance, la petite, à se réveiller la nuit et tout ça. Et comme je m'occupais de la nuit, peut-être que je jouais un petit peu moins. Mais maintenant, elle a presque 2 ans et elle dort bien la nuit, donc c'est pas un problème. Et puis bon, j'ai une femme qui m'aide aussi beaucoup et qui comprend que quand je joue à je peux pas m'occuper de la petite, c'est impossible de faire les deux en même temps. Le meilleur flop pour paire de neuf. Par contre, là, c'est une belle turn, surtout que c'est un peu une bluffing carte. Je vais miser assez cher. Je pense que ça touche pas mal sa range aussi. Il peut avoir pas mal de deux paires, ce genre de main. Il peut aussi de temps en temps avoir des flush draw au trèfle. Donc, je pense que c'est pas mal de bet chéro sur cette carte. Malheureusement, il passe. C'est le genre de coup, je suis assez balancé ou je vais le faire de temps en temps en bluff aussi. On est nombreux sur ce tournoi à 21 h. Ça commence dans 40 minutes. Ça va être chaud, 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 chaud d'action. Bon, ici sur le Nitro, il y a une relance, un call. J'ai 15 blinds, 16 blinds en tout. Je vais tout mettre. Tout, 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 tout. Il se peut que j'ai pas la meilleure main. C'est quand même un spot intéressant, surtout qu'il y a eu un call après. Je vais souvent me retrouver en heads up, voire faire folder les deux joueurs. Il y a pas mal à voler. Voilà, je joue un coin flip contre un joueur. Et je le gagne. Un beau flop pour valet 9. J'ai limp call. C'est bien. Je pense que c'est une main qui se démerde bien. Il a snap check back. Je pense qu'il a. Il peut souvent avoir des types de mains comme As-10. Ou As-Dame ou des mains comme ça. Je vais overbet la turn comme je l'ai fait tout à l'heure. Il y a beaucoup beaucoup de draws. Il peut clairement me mettre sur un draw. Il peut lui-même avoir des draws. Ouais, il fold. Je pense qu'il a une main comme As-Roi, c'est un spot compliqué pour lui. J'aime bien face à un joueur, si j'overbet une première fois, j'aime bien après trouver d'autres spots d'overbet. Si je ne suis pas sûr de cette défense dame 7, je pense que le fait qu'il y ait un autre joueur soit pas spécialement bien. Je pense qu'il faut dépendre un peu plus tight justement quand il y a un autre joueur qui colle.
Je veux dire, c'est pas, il y a d'autres mains, c'est mieux de défendre une main comme 4 et 5 offsuit ou 4 et 6 ou... que Dame 7, parce que Dame 7, c'est une main qui peut être dominée par la range de call en small blind. Donc en small blind, il peut typiquement call des mains comme Dame 9 suité, Dame 10, Dame Valet off, Dame Roi, voire des pocket pairs, des As-7 suité d'abord, des Rois-7 suité, donc des mains qui me dominent, paire de 8, paire de 9, sont toutes des mains qui me dominent. Donc c'est pour ça que c'est pas l'idéal de défendre ce genre de main. Après, comme on est très très deep et que j'ai confiance dans mon jeu post-flop, je pense que c'est ok quand même. Je vais pouvoir faire des gros folds, même si je touche une top pair ou si je touche un petit quelque chose. Bah, je vais relancer. Je peux faire min 3 bêtes. Dans ces limites, ça peut être interprété de différentes manières. Ça peut être je 3 bêtes un peu pour info, ou ça peut être je 3 bêtes, mais j'ai une grosse premium, j'ai pas envie de te faire fuir. Du coup, je fais pas cher. Du coup, je vais pas insister. J'ai call parce qu'il m'offre du coup une très belle cote. Mais on est censé 3 bêtes, plutôt 3x en position et 4x hors position. C'est un peu les 3 bêtes plus standard. Mais sur 30 blind et tout, c'est ok de 3 bêtes un peu plus petit comme il l'a fait. Oups. Depuis combien de temps tu utilises l'expression allez salut? Depuis hyper longtemps, c'est une expression que j'utilisais avec mes potes de Bruxelles quand j'avais 20 ans, donc il y a hyper longtemps. Mais c'est resté et le monde du poker l'a adapté, l'a adopté, comme pas mal de mes expressions. Après, il y a des expressions qui ont été plus dures à adopter quand je faisais B. Ça énervait beaucoup de monde, il y a plein de gens qui détestaient, donc c'était très dur. Ils me disaient, tu peux arrêter avec ce B, les joueurs de poker aimaient pas trop. Là, il me re 3 min bets et il l'a fait assez rapidement. Je call de nouveau, je pense que j'ai une main qui se débrouille bien. J'ai du mal à estimer sa range, il y a beaucoup de short stacks, ça c'est... il pourrait pas normalement 3 bets, vraiment des jeux de merde. Je fold ici, c'est pas grave. Pas de honte à faire le lâche. Quand tu fold As-9 sur un limper, est-ce que le shove est bon? Je me rappelle pas. Ça va dépendre combien de blind, quelle position, où est le limper. Si je shove, si j'ai en dessous de 20 blind, ça devrait être bon, surtout que... beaucoup de gens de limp light. Après, si t'es UTG contre UTG1, peut-être pas. C'est vraiment, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et si je vais 3 bet, je vais raise à 4,5 blind. Donc, je disais l'expression B a pas trop marché au début et c'est Mikedou qui m'a aidé à la faire. À la faire marcher. Mikedou qui l'utilisait beaucoup, il faisait un très bon bait, il l'utilisait très bien, c'est une expression compliquée à utiliser et il l'a popularisé. Grâce à lui, tout le monde a commencé à l'aimer. Je sais pas si vous vous souvenez tous de Mikedou, mais c'est Ludovic Grill. La spot compliquée, j'ai ici il a overcall après avoir limp, il a des 8 dans sa range. Ici je vais check sur un as. Par contre là c'est pas un beau flop, j'ai voulu trapper. Je vais tout mettre.
Notre bête 5.5, big blind, on va c-bet, je veux dire. Ici, voilà, Is-9, 10F qui a misé le flop, qui a checké le flop, mise le turn, je vais call. J'ai peut-être la gagne et je joue des tirages. Ici, par contre, sur le Battle Royale, je vais check. Il mise vraiment pas cher, je suis obligé de call. Il peut value des mains moins bonnes comme deux valets. Et ici, je veux value. Je veux call. Ouais, 10 valets. Voilà, je suis content de ne pas avoir 3 bêtes pré-flop. C'est vraiment par rapport à l'adversaire. C'est une line. Allez, c'est bien. Pas value trop cher sur le Battle Royale. Tout va bien, on est pas mal. Ça se passe comme on a dit. Allez, on fold un peu, ça fait du bien d'un peu folder. Tendance toujours à jouer quand même beaucoup de mains. Tous ces tournois 6 max, j'aime bien mettre la pression, jouer beaucoup de mains, c'est bien. Tant que je vois pas trop de résistance à la table, il n'y a pas de problème. Ça permet aussi, quand on touche du jeu après, de trouver de l'action, de se créer une petite image, créer une dynamique à table. Bon, là il m'a 3 bêtes, j'ai envie de 4 bêtes shove plutôt que de call. Après, je pense avec cette profondeur, il l'a souvent quand même. Je vais 4 bêtes shove cette histoire. Il a une premium, un joueur agressif. Et le 10 à la river. Demain! C'est des mains, j'ai une range open hyper large. Ici, j'ai une de mes premium, Roi-Dame off. Je pense que c'est une bonne main à 4 bet shove. Si je chauffe pas ça, je chauffe pas beaucoup de mains. Je veux dire light. Ce qui peut ne pas être grave contre un joueur serrure, mais là, c'est un joueur hyper aggro. Bon, le monster stack, on va tout mettre à 5. On est très short, on veut doubler. Let's gamble. Pas un très beau flop à 6 de carreau pour ma main. Je pense que je vais c-bet. Je sais pas. Ça me donne quelque chose me donne envie de c-bet. Souvent je check aussi. Bon, on a bust du 10 euros définitivement pour la deuxième fois. Permettre de jouer un autre tournoi, je vous ai dit, on va buzz sur les petits, gagner sur les gros, ça me va totalement. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? La fièvre et tout, c'est des tournois top, mais on a le temps encore, il n'y a pas de bounty, il n'y a pas trop de raison de jouer tôt. Encore 1 heure et demie pour s'inscrire. Je sais pas, peut-être. Je vais quand même jouer ce mon stack, je pense. Même si c'est du full ring, c'est pas grave. Une premium! Allez, donne-moi de l'action là, Jackie Moto.
C'est un bon flop, rien à dire. Je vais cbet un peu en dessous de la moitié du pot. C'est quoi, je cbet un peu plus cher en exploit. Malheureusement, il a rien touché. Donc oui, on me demande si on a la chance de me voir sur le tournoi Streamgang, bien sûr. Je me suis inscrit déjà. Il commence dans 25 minutes. Venez nombreux. Est-ce que tu as déjà rencontré le joueur belge OTB Red Baron? Non, j'ai entendu parler que c'était un joueur qui venait d'un petit village en Belgique qui était très jeune et que personne ne connaissait vraiment qui c'était. Il venait d'un petit village, il était très discret. Donc non, j'ai jamais rencontré. J'ai l'impression que ça joue assez sérieux sur mes tables actuellement. Un beau flop pour As-Valet. Top pair, flush draw, on est pas mal. Enfin, c'est bête classique, bien sûr. Il y a pas mal de mains qui peuvent me battre encore. On va pas s'emballer. Il bet petit, il peut parfois avoir une meilleure main que moi, mais il peut aussi avoir des draws ou ce genre de truc. Je vais call de nouveau. Si value, si value, si mise river, pour moi ça va pas être, ça va être difficile quand même de folder. J'ai vraiment deux mains qui me font peur, c'est As-Dame et As-Roi. Shove, pas beaucoup de plage, je pense pas que je vais le faire hérofold beaucoup de mains, j'ai pas assez d'infos sur l'adversaire, donc je vais call détente. Je peux de temps en temps voir des bonnes surprises, des mains comme Roi-Dame avec un carreau, ou des purs bluffs, ou des 9 et 10, ou des mains comme ça. On peut parfois avoir As-10, ou des bonnes surprises comme ça, des As moins bons. J'ai une belle cote, donc c'est très dur de folder. Ouais, voilà, roi dame sans carreau, c'était encore mieux. Donc, j'ai pris un peu de temps avant de call, c'était pour vous expliquer, mais du coup, je savais depuis la première minute que j'allais call ce coup. On n'est pas là pour folder des top pairs. Est-ce que je vais jouer Dame 8 ce soir? Ben, je l'espère pouvoir le jouer. Comme je le dis, si le spot est bon, je le prends avec Dame 8, mais je vais pas non plus faire de la merde. Mais ouais, le projet, c'est de jouer beaucoup de Dame 8, de vous faire kiffer, vous montrer comment on peut gagner des gros coups avec ça, comme il s'est passé la fois passée. Donc j'ai relancé Roi-Valet, le flop est moyen, mais je bien sûr c'est bête, j'ai le Roi de carreau. Si c'est un bon flop, je vais c'est bête. En turn, je vais tout lui mettre à... Je préférerais avoir un carreau quand même. Je vais mettre un gros bet au lieu de shove. Allez, je vais bluff cette river. Je pense qu'il doit savoir que turn j'aurais misé des mains comme 10 valets, même dame 10, dame valet. Après, je peux avoir des dames rois, des as dames. Je peux avoir des mains qui ont trappé la turn. Donc, j'ai quand même une range de bluff. En ayant roi valet, je bloque des mains comme roi dame chez lui, dame valet. Donc, c'est pas mal. Dans sa range, il y a beaucoup de as 5, ce genre de mains, des petites pocket pairs. Donc, bon espoir de lui faire passer pas mal de mains.
Quel est le meilleur moment pour buy-in un tournoi d'après toi? Ça va dépendre en fait de tes capacités. Oula, il y a un rochin, je ne vais pas pouvoir call. En fait, il y a certains joueurs qui sentent plus à l'aise short stack et d'autres qui sont plus forts deep stack. Donc ça dépend si tu es un joueur par exemple de cash game, ce serait mieux d'arriver très tôt dans le tournoi parce que tu as plus d'edge. Si tu es un joueur d'MTT, si tu viens des expressos par exemple, c'est mieux de s'inscrire tard car tu as moins d'edge. Deep stack, ça va dépendre. Ici, je vais call As-Dame, même si c'est beaucoup 30 blinds. Je me vois pas fold ça. C'est voilà, souvent une pocket. J'ai pas peur de flipper, ça me dérange pas. River. Pas terrible cette line, j'ai limp et puis je lead une blind. Ma raise, peut déjà avoir des nuts. Je vais miser. Décider de check back ce 7 et 8 de carreau, c'est pas évident. Par contre, turn, je vais essayer de prendre un peu de value. Ah, putain, c'est turn que j'ai joué ce coup un peu à l'envers, je pense. Ah là là, il n'y a même pas de. Il n'y a rien, il n'y a pas de jackpot. Ça snap, shove. Waouh! Un peu réfléchir, est-ce que j'ai la meilleure main de temps en temps? Quelle main moins bonne il pourrait faire ça? As-Roi parfois, il pourrait bluffer avec As-Roi. Clairement, deux As checkés deux fois, c'est possible aussi. Des dames, il a des dames dans sa range. Des draws, je bloque pas mal ces draws avec mes cartes. Oh là là, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut encore rien triste? 21h06. Oh, j'ai envie des recalls, surtout que j'ai encore des draws, quoi qu'il arrive. J'ai encore des outs. Allez, je vais call, je m'en fous. Ouais, il a une grosse paire. Ah, j'ai pas touché. Pas super content de moi sur ce coup. Ici, j'ai fait un gros shove. Petit bluff qui passe. Ah, il m'a bien eu avec ce snap check shove. J'ai bien fait checker le flop. Après, checker le turn avec ma main, c'était pas mal aussi. Il a quand même souvent une overpair pour jouer comme ça pue. Si j'avais pas ce draw, j'aurais pu fold tranquille. Après, ouais, pré-flop, il relance 3 bébés. On a juste assez deep pour que je call ce genre de main. C'est vraiment parce que je suis au bouton, en position. Mais ouais, il avait quelques timings tels aussi. Il misait assez vite. Allez. J'ai déjà plus quoi jouer. Dans 1 heure, il y aura plus de possibilités quand je bosse de m'inscrire à d'autres tournois. Ici, on va mettre all-in, les 5 blindes qui restent. Pourquoi pas le quattro à 2 euros? Allez, inscrivez-vous aussi, on peut s'amuser sur ce tournoi. Mais voilà, je touche branlant de 5. Ouais.
Je m'inscris sur ce Quattro parce que c'est du 4 max, donc c'est amusant. Et aussi un petit peu pour montrer à Viet Fou comment on fait pour gagner ce joueur qui galère sur les micro-limites. J'ai envie un peu de l'aider pour son challenge. Je mange des frites. Pas des vraies frites, mais je sais pas comment on appelle ça. Bon, bataille de blind ici. Re-raise avec ma paire de 9. Bon, je fais un truc bizarre ici. On est là pour s'amuser. J'ai beaucoup de cartes encore. Je colle à 6 off, c'est pas terrible. On va pas beaucoup folder sur ce tournoi, c'est pas le projet du tout. Voilà, il monte 7 et 2. Ouais. C'est ça que je m'attendais. Il est chaud d'action, il veut bluffer du kit bull, ça me va. Fold de lâche. Voilà Dame Huître. Je vous avais promis du Dame Huître. On y est. Un autre dans la tête d'impro prévu, bah, j'espère. Plus beaucoup de live en ce moment. Il n'y en a pas avec moi qui sont prévus, qui ont déjà été filmés. C'est bête Dame Huître, snap call. Miser très petit turn. On va miser très cher la river. Wow. Bon, j'arrête avec ce truc, c'est trop addictif.
L'extra, il va falloir doubler ou en re-re-entry. Il va falloir que ça se passe assez vite. Si As-Roi, j'ai pas décidé de limb cette fois, il a over-limb, j'avais souvent des mains fortes, j'ai préféré raise tout de suite. Il n'y a rien de spécial qui se passe pour l'instant. Des frites, des frites, des frites. La belle main pour shove au bouton, 9 blinds. Il va falloir doubler deux fois pour être back in the game. Ça s'est déjà vu. Bon, on va tout mettre. Allez, salut! C'est quoi, je réentrais même pas, ça m'a pas amusé bizarrement. C'était un bon projet, mais ça m'a pas amusé. Ici, est-ce que j'ai envie des recalls? Peut-être. Je pense que Turn, il va souvent lead des mains comme 8 et 9, 8 et 6, du coup, des 8. Après, il a quand même pas mal de 8. Ouais, je vais recall, je suis pas sûr de moi de nouveau. À l'extrême, voilà, on va call, on a une paire. Ah, dame huître! Bien joué. Je pense que c'est close en tout cas. Ici, on va call et il a une under pair, le deuxième double up, back in the game. Chier, c'est full ring là. S'amuse pas trop sur les full ring. Ouais, Bachoup, je suis bien organisé ce soir. Tu peux remarquer aussi le casque. Et ouais, en big blind, la même place sur chaque truc, on est beaucoup mieux. C'est clairement, il était temps. C'est parfois, on met du temps avant de s'adapter, mais là, c'était clairement easy décision. C'est tellement mieux. Je me sens beaucoup mieux avec ça. Bon, allez, on s'inscrit à la fièvre. Et puis, le quatrième tournoi, je vais peut-être attendre le stream gang. L'extase et KO aussi, ça aurait pu être bien. Allez, je vais m'inscrire à l'extase. On a assez deep, ça va être. Ça peut être intéressant aussi. Oula! Pourquoi j'ai 5 tables en fait? Wow, j'ai 5 tables, j'avais pas compris ça. Bon, ici, je vais tout lui mettre. Il a 26 blinds, une pocket pair, c'est easy décision, surtout qu'il a un bounty en plus. Ça me dérange pas de flipper, il a une range d'open assez large, il fold. Miser la moitié du pot. Je pense que la table la plus moins intéressante que j'ai pour l'instant, je pense que c'est clairement le Monster Stack full ring là, il est très très chiant. Mmh.
Ouais, je vais pas acheter un 10 dans le ventre. Allez, c'est la dernière main avant le break. Ça se passe pas 100% comme on a dit. Pas encore, ça met un petit temps avant de se mettre bien à l'aise. Si la turn, j'étais censé la leader sur un as. C'est une erreur de checker ça. Allez, bon, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Un petit break et c'est reparti. Et voilà, tout à l'heure. Alors, comme on a dit, allez, salut!
Salut à tous, on est back in the game. Oups, pardon. Donc, je vais avoir Street Cital maintenant. On voit que le Stream Gang a commencé. Oups. Donc je vais mettre deux par deux. Ici on va check raise, gut shot, on est bien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me poser les questions. Limite, au plus ça va être tard, au plus ça va être plus compliqué à répondre. Oh là la turn de génie! Oh là la turn de génie! Ah. Malheureusement, il n'avait pas 8 et 9. Donc, ouais, n'hésitez pas à me poser des questions. Plus on va avancer, moins ce sera plus dur pour moi de répondre. Parce que quand on est deep dans un tournoi, il faut se focus deux fois plus. Là, j'ai ouvert un peu trop de tables. Ça complique un peu les choses. Mais c'est pas grave, ça va me faire jouer un petit peu plus tight, ce qui est pas plus mal. Allez. Je sais pas s'il y a un moyen pour se mettre directement à la place et calculer en big blind. S'il n'y a pas un moyen dans les paramètres, si vous savez ça. Si c'est pas le cas, je vais essayer de demander à Winamax de le faire. Ce serait bien qu'il y ait un moyen pour qu'automatiquement on soit en big blind et qu'on soit positionné là, enfin où on décide de l'être. Reste 3 bêtes. Ouh là là, le flop! Sur l'extase, on est deep, j'ai décidé de call paire de 2 et je trouve un flop de génie. Malheureusement, il s'est bête pas, chose qu'il aurait faite s'il avait une grosse paire. J'espère entendre un raise. Fait ce sizing qui peut induire pas mal de raise. Il a call. Misé 12 blinds, j'aimerais me faire raise. Malheureusement, il fault. Ici, on va tout mettre. 28 blinds sur la fièvre. On va pas folder les premiums. Ce que je pense des WSOP Online cette année, pas trop d'avis encore définitif par rapport à ça. À la base, je trouve ça un peu dommage que ça compte comme un bracelet, autant de bracelets distribués. C'est pas la même chose online par rapport au live. On joue un flip. Dame! Demain. Oula, il a fold sur mon brelan. Ça se passe pas comme on a dit, vraiment pas.
Donc, ouais, ça me dérange pas trop, mais ouais, j'ai vu une idée comme quoi ce serait pas mal de faire des WSOP d'argent ou des trucs comme ça. Et dans l'idée, c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu exagéré de donner des bracelets pour des tournois online. C'est un peu. C'est tellement dur d'en avoir et d'un seul coup, ça va être online. Il y aura beaucoup moins de monde, je pense quand même, qu'à Las Vegas. Et puis qui dit online dit la possibilité que des gens jouent en association. Il y a des surtout sur ce site, il est assez nouveau le site dans lequel ça va être organisé. C'est pas tout à fait de confiance. En tout cas, moi, j'ai pas 100% confiance. Donc, je suis pas convaincu. Mais je risque de les jouer quand même. Et d'aller chercher un quatrième bracelet quand même. Le stream gang, on est vraiment très deep là, c'est le début. On va attendre les livraisons. Je vous rappelle qu'il y a un bounty de 10 euros sur moi. Donc les gars, quand je vous 3-bet avec 2 as, mettez tout avec paire de 2, c'est rentable. Je pense que c'est rentable pour vous de jouer un 20 à 80, sachant que vous gagnez un bounty de 10 euros en plus de mon bounty. Pour gagner 10 euros, il va falloir déjà faire une table finale. Il va falloir être quatrième. Bon, il y a encore des gens qui vont entry ou re-entry. Donc le prize pool sera plus élevé que ça, mais quand même, ce bounty est pas négligeable. Ce Monster Cash Full Ring à 50 euros, là, je regrette presque de l'avoir joué. Je sais pas, quand je joue comme ça, je veux de l'action, je m'ennuie un peu. Et du coup, je joue pas moi à game. Allez, on va tout mettre avec Valet Dame de Carreau. Sans FE, je sais qu'il va me call. Il a une main qui me domine et je touche pas. Allez, salut! Je ne vais pas re-entrer. Allez, il faut rester focus sur ces deux tournois en haut qui sont très beaux. Ici, c'est bête classique. Il est un peu short derrière. Très très belle turn. Voilà. Très très belle river. Même s'il n'a pas, il risque de vouloir bluffer là-dessus. Mets-moi un gros bet, mets-moi tout. Voilà, c'est pas mal. Je vais tank shove, bien sûr, en espérant qu'il me call pour avoir le bounty. Allez, cool. Snap fold, il était light. Malheureusement. C'est des spots compliqués, les S, As, moins, pas spécialement forts en SB quand il y a une relance du bouton. Pense souvent le 3-bet peut être pas mal. Très belle river. Je crois pas que j'ai de la value à raise.
Pur bluff. Ici sur l'extrême, je sais même pas si j'ai le droit de réentrer. Il y a plusieurs options possibles. On peut plus réentrer. On a vu que X9 10 Sèvres relance énormément au bouton. Encore joue un peu l'overvariance. C'est extrême où j'ai beaucoup souffert, mais j'ai pas bust encore. Passé, je crois, à 4 blinds et demi. On est toujours là. Pas eu besoin de re-entry. En fait, je réalise quand j'ai shove 3 et 4 suité, j'ai fait nuts à la river, enfin j'ai fait quinte à la river sur la fièvre, donc je suis toujours là. Pas eu besoin de re-entry. Ouh là, il me fait un gros shove. Ici, je vais raise avec mon 7. Ouais, c'est un peu trop. On va passer. Là, il peut souvent avoir des mains du type paire de 5, paire de 6. C'est un peu typique le genre de main avec lequel on a envie de shove. Allez, on commence à gagner pas mal de petits coups, c'est bien pour la confiance, on se sent bien. Fold. On est en mode détente sur l'extrême, on va voir des flops, on joue low variance, on 3-bet pas trop, on gamble pas trop. C'est le joueur qui m'avait fait les deux rois, j'ai pas très bien joué le quoi avec 7 et 8. Je vais call le c-bet. Pas trop envie de fold.
Une top paire, on n'est pas là pour fold des top paires. Mais il a quand même pas mal de mains qui peuvent me battre. Compliqué s'il shove là. Très compliqué. Chauffe. Juste voir, vu que j'ai pas fait assez attention, j'ai l'impression quand même qu'il est très serré. Il n'y a jamais son nom dans les coups. Ouais. Il n'a pas gagné beaucoup de mains depuis le début. C'est une serrure en fait. En même temps, les coups qu'il a joués, il barrel. Ah, c'est une serrure, il bluffe jamais ce coup. Rare. Peut-être plus folder la turn. Ouf. Ah, est-ce qu'il a l'as de pique? Est-ce que je vais être puni par Flutterter là d'avoir fait la merde? Ah, là, ce sizing, il m'oblige à shove. S'il peut tout à fait piéger, ce serait pas du tout impossible. Il a un bounty qui m'attire. Allez, on va remonter tout gentiment. Ah, oh, c'est pas possible ça. Allez. Là, ce qui est pas mal, d'habitude, on n'est pas content de voir un as, mais là, avec cette profondeur, je chance échauffe tous mes as. Du coup, on n'est pas mécontent parce que notre adversaire va beaucoup bluff. Du coup, je vais le laisser bluff, toucher un petit full. De bêtes, ah là là, snap folds. On sur l'extase, on va faire un gros play. Allez, on gamble, on gamble. Ah, Scorpio, il a de nouveau une premium. Combien de premium il peut avoir? Oh non! Yeah! Mérité ça. Bon, ici on a un peu trop gamble. On gamble ces 5 dernières blinds. Ah, ah là là, c'était peut-être pas nécessaire. Check call était bien. Je pensais juste que l'autre joueur allait souvent fold. Ah.
J'ai mis de la variance parce que bien sûr on peut rien trier, on a envie de monter des jetons. Il avait quoi 4 bulles quand j'avais 2 9? On va aller vérifier sa main. Il est quand même As-Roi, ouais. Il m'a call 2 barrels. C'était un coup qui pouvait partir pré-flop, ça. Limite, faudrait une commande, allez, salut, et ça sort le clip. Figure-toi que j'ai comme idée, pour le prochain stream, je vais essayer de l'avoir. D'avoir une plaquette à expression où j'ai juste à appuyer, ça me félicitera et ça fait un allez, salut! J'appuie sur un autre bouton, ça fait 2 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 2. Je sais pas comment, si vous vous souvenez du piano d'Ardisson, c'était ça, et c'est. Ça peut être un bon concept. Bon, ici, ils ont des bounties. Je vais shove roi 5 suité. La six blind. Ouais, c'est bien de shove ici. On joue les bounties. Il doit call beaucoup là avec ses 5 blinds. Il n'est pas censé fold une tonne, même s'il va peut-être un peu overfold. Voilà, dame huître. Nickel. Allez, salut! On a récupéré un bounty, on est pas mal sur ce tournoi, c'est même sans doute le seul tournoi où on est pas mal pour l'instant. On va se bet cette paire de 5 sans beaucoup d'espoir. Voilà, ça, on est voilà, sur le stream gang, ça va jouer, les gens jouent leurs cartes, ils ont rien, on va pas me playback. On est bien sur le stream gang aussi. Allez, ils vont chaque fois nous laisser, ça joue tight, les gens ont peur. Bon, cette fois par contre, je suis obligé d'iso mettre 4 blinds. J'aurais pu mettre 3.5, j'aurais pu mettre 3 aussi. Ah, j'aurais dû mettre 3.5. Encore une premium. Allez! Ah, ça joue tight à cette table, je peux pas. Oula, mais qui voilà ma table sur le stream gang, énorme, énorme, le joueur à ma gauche, je sais pas si vous voyez le pseudo. Si je vais plutôt check raise, c'est plus. Ça fait genre j'abandonne. Ici, je vais check call du coup. Donc ici, il y a Lucky Bullet à ma gauche. La vraie, l'unique. Voilà, un petit carreau là. Assez compliqué là contre Jackie Moto. Je suis assez face-up sur SI, j'ai l'impression, avec cette line. Il s'attendait pas au flush draw. S'il venait, ça aurait pu faire très mal. Et du coup, il peut me value tranquille, paire de 7. Il peut value plein de mains. Il peut value. Ah là là. Il peut value paire de 5. Je sais pas moi. En même temps, dans ce genre de décision, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas hyper technique, mais c'est la façon dont je réfléchis.
Est-ce qu'il s'attend à ce que je call ce bet? Et comme il a checké le flop, je pense qu'il s'attend ici. Je vais call, bien sûr. Il a un bounty. Voilà, c'est pas mal. 6, 2. Parfait. Du coup, je vais fold parce que je pense qu'il s'attend à ce que je call souvent avec Autora sur ce board. Il y a des draws qui ont miss. Donc, c'est une réflexion simple. C'est pas la technique d'aujourd'hui de calculer les bloqueurs sous. C'est juste se dire, je pense pas qu'il bluffe ce spot. Il m'avait l'air sérieux depuis le début. Il a pas l'air fou. Bon, sur l'extase, je vais tout mettre valet-dame contre une relance au bouton. On re-entry au pire. Back in the game. Je pense que c'était un bon fold. Fold lâche, mais bon fold. Allez, on re-entry. Allez, tout va bien. Tout se passe bien. Sur l'extrême, on lutte un peu. Ce As-Roi de carreau m'a fait mal parce que j'ai trouvé un flop de nuts absolu. Ça a fait check, check, flop, doublette du 10. Je check, il bet. Easy call. Je voulais check raise le flop et partir à tapis. Mais je pense que, ouais, il est sur 10, 8, 3. Il va check back des 10. Ils ont quand même un peu peur de se faire check raise dans ces spots. Je suis censé ces bêtes tellement de mains, du coup ça aurait été sans doute mieux de ces bêtes. C'est assez close. Ici, mise pas cher, je vais call. Ça s'appelle un stream deck. Ok, mais ça m'intéresse. Ouais, effectivement, c'est ça que je veux, un stream deck. Je ferai ça pour la prochaine fois. Vous me montrerez où je peux trouver ça. Allez. Deux as. On aime bien cette main. C'est une main assez forte. Une main plutôt forte. Enfin, ces gens, ils folent pas sur les trois bêtes. Oh! D'où il fold sur le 3 bet. X9-10F qui se régale là. Il relance 100% des boutons et ça marche. Effectivement, je réagis pas beaucoup. J'ai pas besoin de ça. Il y a des spots plus faciles. J'ai pas besoin de ça. Mais pour l'instant, il s'amuse bien en tout cas. Allez, on veut monter des jetons, surtout sur les petits tournois. Là, j'arrive pas à monter des jetons, la fièvre, les autres tournois à 10 euros, j'ai buzz rapido. C'est des tournois où quand on est chip leader, on met la pression, on 3 bet les autres, gros tapis, et on s'amuse, et là, on trouve un edge énorme. Si, c'est la vraie kid bullet, c'est ça qui est beau. C'est que c'est la vraie, vraie kid bullet. Elle a créé un compte Winamax il n'y a pas longtemps. C'est l'authentique, la kid bullet. Elle est là, à ma gauche, en famille. Elle aura pas de cadeau, ça je peux vous le dire.
aussi, il m'a min 3 bêtes bizarres, c'est vraiment bizarre. Call call dans la big blind, j'ai call aussi, et là il check. Après avoir min 3 bêtes, je sais vraiment pas comment l'interpréter. Bon, il a parfois des mains du type As-Roi. Ah, il a folie, il demande, tu sais quoi, je call, je m'en fous, bravo, t'as As-Roi. T'as un 10, t'as plein de mains comme ça, mais dans le pot, j'ai une cote 1 contre 2, je suis pas trop loin, je peux encore re-entry, j'ai trop de tables. Cadeau, comme on dit chez nous, cadeau, cadeau. Pique, boum! Pas de chance, bizarre. Ouais, il check après avoir 3 bêtes, il a souvent check call, souvent un 10. J'aurais pu check back la turn, c'était sans doute mieux joué. Mais c'est pas grave. J'ai 3 bêtes roi dame off. Va ces bêtes pas trop cher. Faut pas oublier que c'est ma dernière entry ici. Il call. Plutôt check la turn. Je pense qu'il a quelques 8, quelques branlants, mais c'est rare. Voilà une belle river. Bon, ici je vais gamble, je m'en fous. Voilà, il est en tilt, il vient de perdre un gros coup. Typique des petites limites. Allez, salut bizarre! Pas de chance! Les kit bullet qui a limpé UTG. Ça sent la grosse main. Ici, bon, il fait un gros bet, je vais clairement call. Je pense qu'il a des rois dans sa range, à quelques flottes, il a des deux as de temps en temps. C'est très gros comme bet, ça me fait peur, mais je vais call bien sûr. Il a dit malheureusement une sale river. Turn, c'est vraiment close, je pense. Plus souvent, il vaut mieux bet cette carte. Juste, j'ai pensé qu'avec mon sizing flop, il avait quelques floats, quelques backdoors, et je vais le laisser bluff ces mains-là. Donc, j'ai opté pour un check, mais on est censé que bet ce genre de main parce que j'ai un très bon kicker. Qu'il n'est pas censé avoir de As-Roi dans sa range, qu'il est censé les 4 bêtes, du coup, il n'y a pas beaucoup de mains qui me battent. Il a parfois 2 As, parfois Brolant 4, parfois quelques 8 aussi. Quelques mains qui me battent, mais la plupart du temps, je suis good. Call ici. Bon, je fais les trucs à l'envers, je fais 3 blinds et demi. Fold. Bon, ici, il y a pas mal de draws qui ont miss. Je vais quand même value. Il a parfois deux valets là au bouton, genre de main. Il va pas fold bien sûr, As-10. Fold tous les deux. J'avais pas vu qu'il restait 7 blinds à 4 bulles. Ouais, il a foldé! J'aurais plutôt fait tapis pour faire passer les draws. Ici, je vais passer tranquille. Tranquille, tranquille. Ici, il shove. Je vais click back. Oui, c'est ma femme à ma gauche, la petite kit bullette.
je compte bien un bust. Ouais, ici, on va call, paire de 9. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, on run route sur le stream gang. Ce serait beau de le gagner. Très dur à jouer, genre demain, As Dame, fait 3 bêtes par la SB. Opter pour un call. S'il fait un bon sizing qui me donne envie de call. Et là, une turn qui me donne envie de bluff, sauf s'il bête, bien sûr. Voilà, on va transformer en bluff. On peut faire passer des mains comme As-Roi. Mise de 10 blinds, ça devrait suffire pour passer As-Roi. Nickel. Bon, on n'a pas un bon kicker, mais on est souvent good. Du coup, je vais value sa détente. 3 quarts pot. Détente! Allez, l'extrême, les choses sérieuses commencent. On est 24 left. Très bon flop, top pair. Mise à half pot. Petite bullet qui relance UTG. Range plutôt tight. Bon, là je me suis fait check raise. Je pense que j'ai typique genre de main où je préférais relancer. Je suis pas spécialement hyper content de go broke, mais ma main nécessite une protection. Je veux pas le laisser me check raise 8 et 9 et trouver de l'équité, trouver une overcard. Bête de dame, il vient de loin. Je sais pas contre qui je joue de nouveau. Allez, on fold sur toutes les tables. On sauve ici. Pourquoi tu ne min-raises pas à 30 blind deep? En fait, je vais min-raise en début de parole. Mais quand je suis au bouton, j'aime bien raise un peu plus cher.
Selon les positions, en fait. En plus je suis late, au plus je veux faire cher. Donc si je suis au bouton 2.5, puis sinon 2.2, 2.1 en début de parole, parfois même min raise en début de parole, ça change pas énormément. Trouve un bon flop avec ce roi 2 de cœur. Je vais check la turn, je pourrais me faire check raise à tapis. Oh, la belle river, superbe. Il met cher en plus, il a beaucoup de 5 dans sa range, bien sûr. Du coup, il y a des flush en dessous. Je vais shove. S'il a flush à l'as, c'est très rare. Et il y a une flush en dessous, paradis au top. Cette paire de 9, j'ai l'impression que ce tank, ça peut faire des bêtises. Une check raise, joueur très aggro. C'est pas terrible ce play, mais trop de temps à miser, ça montre de la faiblesse. Voilà une carte, il va tout le temps barrel, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas. Ah là, j'aurais pu fold comme un lâche direct. Ah là. Si d'avoir 2-9 ou d'avoir As-9 par exemple, ça change pas énormément. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs As. Pas très fier de moi. Scorpio, ça ressemble à un value bet de ouf. J'ai déjà oublié l'action. Check, rebet, call. Petit sizing, c'est quoi, je n'ai même pas call. Ah. Trop belle cote ça, c'est dur quand même, je vais call. Allez, cadeau. Faut suivre son instinct. Dommage ici, roi valet, je devais call les 10 blinds, ben, ça réchauffe, du coup j'ai pas pu call. Je crochais bien sa range. Ah là là. On n'est plus très bien là. Va falloir doubler à 15 blind, 23 left. Rien ne va plus. Ce coup paire de 9 était pas terrible. Une check raise, fold, c'est pas grave. Puis ce timing, ce temps qui était pas top. Tout n'était pas top. S'amuse un peu sur le stream gang, on a besoin de se défouler un peu. Allez, l'extrême, on le veut, celui-là, c'est celui où on est le plus proche de l'ITM. On est encore là. On n'a pas re-entry ce tournoi. Il y avait 102 joueurs, il en reste 22. Il faut y croire là. Ah, cette main, je voulais pas la voir. Je suis obligé de la shove. Obligé. Si j'entends call, c'est que je suis pas bien. On peut parfois call des rois dames suité, non, parfait. Allez.
La kit bullet va avoir mon bounty, je crois pas, non? Je la couvre légèrement. La kit bullet qui a call en SB sur une relance UTG, attention, elle lead sur ce flop. Mais il faut check raise sur ces flops, il faut pas lead, ouais, laisse-le, surtout si tu l'as, laisse-le miser, laisse-le bluffer. Bon, ici on va tout mettre. Deux valets, premium, premium, premium. On se fait call. Roi, dame, as, roi. Aïe, 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 aïe. Ah, elle est belle celle-là. Défendu 10 valets face à deux gros tapis des joueurs agressifs. Ouh là, la belle turn. La très belle turn. Valide, sans s'échauffe, beaucoup d'as. Peuvent trapper des mains fortes. Yeah, papa! Fait plaisir. Là, on revient à 20 blind, on respire un peu. Ici, compliqué ce coup. On me fait 3 bêtes par le bouton quand j'ai une belle main. C'est aussi un joueur agressif. Collant. J'aime bien 4 bêtes aussi. Face à ce joueur, on va limp call, roi valet de pique. On valide notre range sur un bord d'essai. On bat deux barrel chéro sur un bord d'essai. Il se fait qu'on a la quinte. Il voit mes cartes ou quoi, ce salaud? Allez, allez, allez. C'est tendu, je crois pas que je vais call. Je vais miser sur cette carte. C'est une belle river quand même, attention quand même.
ça gagne. Si j'ai check back avec Dame 6 de pique, j'aime bien, c'est une main. Mais par contre, je vais mettre la turn sur un roi. Ici, par contre, je vais value à 10. Oh, la belle river. Oula, je pense que vous avez eu une petite perte de connexion. J'espère que c'est revenu. Désolé pour ça. Ça marche plus, putain. Waouh. Je sais pas si ça marche encore ou pas. Moi, j'ai l'impression que ça marche plus. Mais peut-être je me gourre, peut-être ça marche encore. Dites-moi si. Je vois plus le chat, donc vous avez plus rien à me dire. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Ah. Ça a l'air de reprendre, pardon. Et c'est le break. Oula, il y a eu beaucoup de difficultés. Là, ces petites bêtes-là. Je peux passer, je le sens pas. Il a mieux. Allez, salut, allez, salut, allez, salut. Voilà, je crois que ça a cassé un petit moment. En tout cas, à un moment, je parlais seul. Je croyais que ça marchait plus, mais peut-être ça marche quand même. Oula. Donc, on va partir en break. Je vais vérifier que tout se passe bien. Je vais revérifier vite fait. Et on revient à l'action dans 4 minutes 22. Allez, à toutes! Allez, allez!
Ça reprend. Les choses sérieuses reprennent. Aïe. On va réorganiser tout ça vite fait. Les choses sérieuses reprennent là, on est très close dans l'extrême de l'ITM, on n'est pas au top, 18 sur 19, les blinds ont augmenté, zone pas de confort du tout. La kit bullet qui est en danger là avec 10 blinds. Il m'abandonne pas comme ça. Vais défendre. La Scorpio, je veux bien qu'il chauffe. Il a un gros bounty, il a 15 blinds, pourquoi pas. C'est un bon spot. La big blind est short aussi. Ah là 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 là, compliqué ce spot de nouveau. Fuck. Qu'est-ce que je fous? Fold de lâche, aïe aïe aïe. Rien ne va plus. On me change de table, tant mieux, je suis au bouton, c'est faire. Allez. Trouver top 2. Plutôt check raise, je pourrais check call. Si je veux call, on va c'est bête. Il fold beaucoup sur ce spot, c'est pas grave. Un petit c'est bête, je vais call. Il m'a call de barrel ici, je vais lui mettre une sacoche.
Je pense que ça va les dames, j'ai de temps en temps la gagne. Cette river améliore ma main. Il peut avoir des mains comme As-10, surtout avec ses sizings. Je le vois bien sur As-10. Ouh là là, une décision. Ouh là là, une décision. On est encore à 18. Je suis le plus short du tournoi. Je pense qu'il a une range de shove hyper huge. Je pense que je vais coller. Ouais, je dois coller ça. Ouais, obligé. Allez, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. Allez, parfait. Nickel, ça, c'était important. C'était un call easy. Ici, je vais fold droit valet. Allez, tout va bien. Ça me déconcentre un peu d'avoir 5 tables au lieu de 4. Des petites choses à améliorer encore. Petit à petit, je m'améliore en stream. Pas encore le vrai spécialiste. Mais vous m'aidez beaucoup. J'ai reçu déjà des conseils pour pouvoir faire les expressions comme je voulais, le piano d'expression à la Hardisson. Et puis des conseils aussi pour pouvoir lire les notes. J'ai reçu des messages qui m'expliquaient comment lire les notes. Je vais un peu voir ça plus en profondeur la fois d'avant. Je vais essayer d'avoir un écran derrière qui va me permettre d'avoir une image figée aussi pour que vous voyez pas trop mon setup derrière. Voilà une question. Ça ne porte pas trop préjudice de voir ton style de jeu en faisant le stream. Alors oui. D'un côté, oui, d'un autre côté, voilà, je me sens prêt à dévoiler quand même pas mal de trucs dans mon jeu. Le but, c'est de partager aussi un peu avec les gens qui me suivent et qui m'encouragent. Après, c'est up to, c'est à moi de m'adapter constamment, de me réadapter à ce que les gens. Alors, ce joueur qui relance au bouton, ça devrait être un shove, je pense. Je pense que je vais shove. Ouais. Je pense que la big blind est quand même short. Il peut s'attendre à des shoves, mais c'est pas grave. Il a une range quand même trop large pour que je shove pas ici. Que je vais shove, chaque vol maintenant est hyper important. Voilà, c'est important. On n'a pas peur. Nickel. On revient un peu dans le game. On n'est pas là pour min cash non plus. On veut se donner les max de chances d'aller chercher la victoire. Allez là, la kit bullet. Faut faire quelque chose là. Faut doubler. Pas trop un flop. Je peux faire quelque chose face à 4 joueurs, paire de 6. C'est pas un flop comme on a dit. La kit bullet est à tapis. Bien joué, ça, B. Double up. La kit bullet, c'est tout nouveau pour la demoiselle de jouer au poker. Non, elle joue déjà depuis un petit moment, de temps en temps. Elle joue les ladies à Dublin. Elle joue de temps en temps pour le fun. Et puis à Dublin, elle aimait bien, comment on appelle ce tournoi, 4 cartes, Irish Poker. Elle a fait 2 ITM, si on peut trouver dans son Hand'em Mob. Qu'elle a fait 2 ITM en Irish Poker. C'est son tournoi préféré. On a 4 cartes, on en défausse 2. Bon, ici compliqué, 28 blinds, il limp. Je pense que dans sa range de limp, il y a aussi des premiums, bizarrement, mais c'est rare d'avoir une premium. Je vais plutôt shove, tout mettre. Waouh, ma colle paire de 6. 2-2-2-2-2. 2-2-2-2-2.
Yeah, papa, très bon ce double up. Waouh. Marrant, ce Limcol, paire de 6. Ça fait plaisir, ça. Compliqué sur le Battle Royale. La trompette. Je sais pas quoi faire là, c'est vraiment. Allez. Pas du tout convaincu. Ah, j'adore pas cette turn si. Ah, il snap fold. Là, c'est pas bon. En plus, l'as de cœur. Pas terrible, c'est cool, je colle une fois, je fold à la turn comme un lâche. Pas trop de read, c'est des coups compliqués. C'est pas top top. Bon, je vais 3 bêtes dame 10 off ici sur le stream grand. Est-ce qu'il va tout mettre ou pas? S'il met tout, bravo à lui. Compliqué à jouer là, As Dame. Des coups assez complexes. Ce long tank peut m'effrayer presque, il pourra avoir 2-9. Mais je vais shove en value pure. S'il a 2 as, 2-9, il a bien joué le coup, mais je le vois plutôt sur une paire de 5. Waouh, as dame, putain, bien joué. Classique. Eh ben, dommage, les blinds ont augmenté direct, boum! Je me retrouve plus short que Kit Bullet. Elle peut m'avoir. Elle peut avoir mon bounty. C'est tout ce que je lui souhaite. Bon, j'ai perdu le truc. J'ai gagné tous les coups. J'étais au top. J'étais dans la zone. Et là, j'ai perdu un petit truc. On va se calmer. On est encore très bien dans le Battle Royale. On est au-dessus de la moyenne. Dans l'extrême, on est revenu à l'average alors qu'on vient de très loin. Tout va très bien. On va pas s'emballer. J'ai fait quelques folds un peu lâches. J'ai pas trop d'infos sur ce fold ici. J'ai call 3 bêtes et j'avais 8 et 18 et flop 10 6. J'ai check call et j'ai check turn. Pff, check fold turn, c'est un peu lâche quand même. Je suis, c'est une table où je suis pas là depuis très longtemps et du coup j'ai fait le lâche. Il n'y a pas de l'autre à faire le lâche.
C'est bête tout petit, ma paire de 3. La turn, il m'a l'air agressif quand même. Je regrette déjà. Oula. 7 et 8, il min raise mon petit bet. J'espère qu'il a pas 7 et 9 quand même. Il n'a pas de 7, c'est une bonne nouvelle. 5 et 3, nickel. Allez, tout va bien. Si je colle. 10, 9, demain. Bon, sur le stream gang, je pense qu'on y est, messieurs, dames. Ce fut un plaisir de jouer avec vous. Le bounty de 10 euros sera pour qui? Ah, je suis devant. Ah, je suis devant. Ah, je suis devant. C'est pas pour tout de suite. On va raise call ce flush draw. Pas chauffe sur le stream gang. Waouh! Là, on y est, c'est sûr. On n'espère pas avoir deux rois, deux as. On va tank pour se faire call par deux valets derrière nous. Ah, il a deux rois, c'est sick. 10. Ah. Ah. Très très short maintenant. Sur le Battle Royale. Deux dames contre deux rois, c'était méchant. La kid bullet qui a tout mis, elle est bien tombée. Allez, salut! On va faire un spécial aller salut pour la kid bullet là. Mais oui, papa. Allez, salut la kid bullet. Allez, salut. Pas de cadeau. Elle a voulu buzz son mari. Mais demain. J'ai piégé Kid Bullet, je l'ai eu. Il me 3-bet quand j'ai Dame huître et je folle comme un lâche.
J'aime Lei. Ah, j'ai pas envie de fold contre lui ici. Bien sûr, il part des 4, il part 2 as. Pas avoir des mains comme ça, mais je veux pas fold face à lui. C'est le seul de la table qui fait des plays un peu larges. Qui s'amuse. Allez, 6 et 2. Tu t'es bien amusé. Salut! Bon, on est à la bulle du tournoi, je raise à suite au bouton, il y a un gros tapis, mais il me playback pas. Ici, s'il shove, c'est qu'il a une grosse main. Ici, j'ai un énorme bounty, 2 as UTG, je vais shove directement, je pense que je vais me faire call par des mains de merde. Les gens veulent le bounty, c'est parfait, je vois pas folder. J'ai pas d'autre play possible, je min raise, ça fait frayer. 12 blinds. Allez les gars, c'est le moment d'aller chercher le bounty à 230. Bien joué le Cri-Cri-San. Tu m'as bien bluffé tout à l'heure. Allez, salut, Koweït. Il m'a clairement bluffé tout à l'heure. Le fold 8 et 10, c'était pas bon. Je sais pas, j'ai hésité trop longtemps. Je sais que River, je m'attendais à un all-in dans la tête, à n'importe quel overcard et tout, ça aurait été dur à call. Difficile. On est de retour à 25 blinds, tout va bien, 24e sur 28. Tout va très bien. Il n'y a pas de raison de s'en faire. Tout va très bien. Je le sens bien ce tournoi. Bon, là, le bouton qui risque d'open beaucoup. Ouh là là, qui fait la bulle sur l'extrême. Wok Nok, qui s'est pris un gros bad beat à la bulle, qui était énorme il n'y a pas longtemps. Il m'a déjà fait doubler plein de fois. Et là, du coup, il fold son bouton un peu dégoûté. Du coup, moi, je vais shove. En plus, il y a un gros bounty. On est content de shove ici. On n'a pas non plus envie de limp call spécialement. On pourrait le faire face à un joueur qui va overshove. Mais là, il risque de check back souvent. On n'a pas envie. De voir un flop. C'est des bons spots de 3 bêtes à 30 blinds, il peut avoir beaucoup de merde. C'est quoi, je vais 4 bêtes shove, je pense que c'est ok. Un peu light, mais je pense qu'il peut vraiment 3 bêtes light ce spot. Faire passer des meilleures mains aussi, j'ai pas de bounty, ils sont moins excités à coller As-10 et tout. Oula, ça ressemble à un problème de connexion. Oula, je vous en supplie, c'est pas le moment d'un problème de connexion. Ha! Putain, c'est un problème de connexion. Je vais devoir ouvrir sur mon téléphone. Ah non, tout revient dans l'ordre. Tout revient dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la fièvre?
Ouais, j'ai 3 bêtes, 2 as et la fold. Aïe, aïe, aïe. Allez, détente, tout va bien. Tout va très bien. J'espère que vous me voyez encore. Je suis même plus sûr. Petit problème. Peut-être que ça vient de la connexion chez moi, qui en général est très bonne, mais bien sûr quand c'est important. Non, ça a l'air ok en tout cas maintenant. Je pense que je vais la gamble cette paire de 4. Allez mon ami, 2 2 2 2 2 2 2 2. Oh le 4 au flop. Oh non 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 non. Assez rare de toucher un brelan et de perdre le coup. Ils sont très chiantes ces petites paires. Ici s'il chauffe, je pense que je dois fold. Il avait l'air tight, mais en même temps il va chauffer beaucoup. On est ITM. Ouais, je vais fold, détente. C'est le plus short de loin quand même. Ah non. Là, il y a trois plus petits que lui. On va fold, c'est pas grave. Si t'es light, bravo à toi. Il y a Last Chance à ma table, qui est un bon joueur expérimenté. Je ne veux pas dévoiler son identité parce que j'ai pas sa permission, mais c'est un joueur français connu qui est très bon, qui est agressif. C'est ça, il se peut que ce soit ma femme qui a coupé la connexion parce que je l'ai bust. Bien vu ça. C'est pas impossible. Bi! Je vais lead une blind avec Dame 10 sur ce flop, c'est censé toucher ma range. Je vais raise direct, ça sert à rien, bro. Je vais fold. On a offert une blind. Allez, allez, allez. On fold un peu, il faut folder là, faut folder là. Ah là là, à chaque fois à l'approche de l'argent, je me mets dans des zones de difficulté. Sur le Battle Royale là, on est plus agréable de couvrir les joueurs de ma table. Bon, on va retenter avec de nouveau A6 au bouton, de nouveau s'il shove, on va fold comme un lâche. Il call cette fois, je vais check back ici. Ça m'ouvre une double gut shot, il va souvent lead sur cette carte. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, il va lead. Du coup, je vais voir ici, je vais shove mes 20 blinds, paire de 5, gros bounty, je couvre la small blind.
River Dame. Allez, 2, 2, 2. Ah ouais, le 5. Il est bien ce 5. Il est très très bien ce 5. Bon, là par contre, je vais clairement fold à 7. Certes, il a quelques bluffs, des, je sais pas moi. Pas tant que ça, des rois 9, quoi. Ouais. Non, ça m'a fait du bien ce coup dans le Battle Royale. Dame 7, je pense que c'est un shove, c'est l'élément bounty qui m'a fait ne pas shove. Mais... Alors ça, ici, je vais bet 2.7 blind. Top 2. Très bon flop. Il n'arrête pas de limp UTG, c'est plutôt inquiétant. J'aurais pu le lead comme tout à l'heure. Une belle carte. Ah, la chaîne qui lead de nouveau sur ce 4, je vais call de nouveau, je pense. Je bats pas mal de mains dans ce value. Waouh, aussi c'est trop de pique. Ah là là. Dur à lire ce coup. Si par contre, je pense que il a des valets, mais du coup, ça est dur pour lui de call. Du coup, je vais check back As-10. Ouais. Si je lui mets tout sur la fièvre. Il y a quand même une premium là. Wow. On a l'approche de l'argent, c'est là que je me prends des saletés. Bon, ici je vais shove sur StreamGank. Si vous voulez un bounty de 10 euros, c'est le moment de gamble. C'est bête pour protection en ce coup. J'ai doublé sur le StreamGank, je sais même pas comment, mais j'ai doublé. Je me sentais pas si mal avec ma paire de 4 contre Lucky Crescent qui est très light. Non, je vais plutôt opter pour un shove, le play un peu classique, on va pas la jouer tricky, Alim reshove ou quoi. Allez, tout va bien. Sur la fièvre, As-Dame, on y est. Flop.
Allez, salut! Open qui n'était pas nécessaire, la bibliothèque était absente. Il y avait un roi. Une premium. Bah allez, je le gamble, le valet dame. Ici, shove UTG 45 blind. Waouh! Pas envie de call ça, c'est trop. Waouh! Il a la même main. Waouh, je me fold ça. Je veux pas call 45 blind. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, Lucky Crusade, j'ai tendance à pas le croire. Là, j'ai c-bet, il a call, ouais, river, il va bluff toutes ses valets 9, 10 valets, toutes ses combos de. Il peut avoir même d'autres surprises. J'ai pas envie de fold ça, j'ai vraiment pas envie. Après, ça me fait chier, on est proche de l'argent. Comment interpréter ce bet de tiers pot? Est-ce qu'il s'attend à ce que je fold? Oui, il pense que je vais fold beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je pense que je vais hero ce coup. Il joue très loose, on l'a vu depuis tout à l'heure. Allez, je vais recall. Montre-moi valet 9. Waouh! Il m'a bien défoncé. À suite, il avait à suite suité. J'aurais préféré qu'il chauffe pré-flop. J'avais une vraie premium. Waouh! Putain, il m'a bien eu de nouveau, ça joue bien. Oh, la fièvre, il a joué parfaitement sa flush contre mon brelan. Si je vais fold, rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Aïe aïe aïe, c'est embêtant parce qu'on est, c'était un point important stratégiquement, c'était des blinds importantes, j'ai hero call parce que bon c'est un joueur aggro qui peut me float beaucoup de mains. J'ai préféré. J'ai voulu vérifier. Je me suis gouré. Il y a effectivement quelques petits lags qui ont eu lieu. Après, je ne sais pas si c'est moi le responsable, si ça vient de la connexion, si c'est un problème plus des serveurs et tout ça. Mais je crois que pour l'instant, ça marche bien. Bon, sur l'extrême, je vais devoir shove ici. Easy shove, 13 blinds. J'espère pas trop être payé quand même. Voilà.
Raushatar, Askatroff. Là. Allez, tout va bien. Tout va bene. Les choses sérieuses commencent. Spot assez close. Bon, je dois chauffer quand même. Un roi, c'est trop fort. Allez, on va barrel. Un open qui fait pas spécialement plaisir, UTG. On va dire ça montre quand même de la force. Mais en même temps, on est proche de l'ITM. J'ai open beaucoup de mains, du coup, je pense pas que je vais faire fold des meilleures mains que ça. Voilà, ça chauffe. Je vais fold comme un lâche. Et deux blinds, ça fait très mal de les perdre. À ce moment-là, la lutte pour l'ITM va être difficile. Bon, sur le stream gang, on s'approche aussi de l'ITM. Je joue un coup important. Allez, la premium, la deux dames, ça c'est beau. J'ai. Oula, paire de 5 à call, il me couvre, je pense. Et il a gagné, je pense. C'est fini pour moi sur le stream gang. Oh les saluts! On n'a pas fait ITM. On a pris 1,80€ de bounty. On n'a pas re-entry. Ce qui fait qu'on n'a pas perdu grand-chose. Bon allez, là je suis d'accord qu'il me call, j'aimerais espérer qu'il me call avec une main bien dominée. Il a pas call. Close décision ici. Il va plutôt limper des mains comme 10 valets, valets dames, mais c'est toutes des mains qu'il n'a pas besoin de bluffer parce qu'il a souvent les meilleurs jeux avec hauteur dame, hauteur valet. Et il les aurait bluffé avant ses mains du type 8 et 9 et tout. Donc je vais fold. On a 4 tables maintenant, ce qui est un peu plus confortable. La fièvre, on est vraiment proche de l'argent. Allez, on met tout, on n'a pas peur. S'il a 10 valets, bravo. S'il a branlant, bravo. Préfère qu'il fold, bien entendu. Il y a quand même 16 blinds au milieu.
On est tout proche de l'argent, fais pas le fou. Fais pas le fou. Waouh, il a call, il a une très belle main pour call, ouais, c'est infoldable. On va buller la fièvre de nouveau. Il avait As Valet de carreau, il a vraiment trouvé une turn incroyable. Avec le temps qu'il a fait, ça me laisse dire qu'As 10 de carreau, il aurait fold, genre. Ici, bizarrement. Bizarrement. J'ai peut-être envie de fold pour ces deux blinds. Je peux faire l'argent sans jouer. Si je suis vraiment, je prends le time bank. Bon, ici, on va tout mettre. Allez, l'extrême. C'est un moment important. On va tout mettre. Allez, c'est un moment important. Allez, c'est un moment important. Voilà, il a foldé. Allez, allez, l'extrême. On va remonter. On va remonter. On y croit. On va remonter, on y croit. Allez, on va tout mettre de nouveau. Quand même un petit palier à pas négliger qui fait que je vais garder une blind au cas où il shove. Je veux un peu de temps quand même pour prendre le palier. Voilà, ça fold. Allez, blind augmenté là. Et après, j'ai de la chance que enfin, après, c'est l'heure de s'inscrire au high roller aussi. Mais voilà, on est bien. Ah, dommage, il foldait. J'ai un beau tapis dans la fièvre. J'y arrive pas ce tournoi, j'aurais bien voulu. Allez, good game les gars, vous m'avez eu. Je regrette pas du tout ce shove, Roi-Dame. Je pense que c'est un beau shove. Quand on voit comment il tank avec As, Valet, Carreau, top pair, top kicker, plus flush draw, genre les nuts. Tu te dis qu'il a même As X de carreau, il passe. Il a As 10, il passe. Donc c'était un très bon shove, pas de chance. Oula, compliqué ça de nouveau. Je pense que je vais shove. Je vais shove, c'est un peu un gros shove, mais je considère presque rétro bouton, je couvre un joueur. Je pense que ok, ça va tenir encore longtemps avant la bulle. Même si j'ai un gros bounty ici, je pense que ok, shove. Oh là 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 là, il tank, il tank, il tank, il a As-10, ah là 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 là. Fold, 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 fold. Allez, c'est bien, 20 blinds. On a un peu mieux. Ouh là là, décision compliquée de nouveau. On est que 5 à table. J'ai pas le droit de faire autre chose que de shove. Je pourrais raise call aussi, mais je préfère shove. On va shove, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Qu'il n'y ait pas de premium derrière, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas peur. Allez, ça fold, c'est parfait. Allez, on y croit là, on veut une victoire ce soir, on veut la win, play to win. Ça buzz doucement sur ces tournois à l'extrême aussi, ça veut pas bust. Je fight, mais à un moment il va falloir double up, triple up, gagner des gros coups pour pouvoir jouer au poker, putain. Sur la high roller, j'ai que 27 blinds, c'est un peu tard pour s'inscrire. Ici, 10 valets suité, même si le UTG shorty un peu. Là, je vois pas comment je peux.
passer. Ce snap check, j'aime pas du tout. Nickel. Je dis nickel, mais j'avais quand même une top paire. A5, c'est close ici. Je vais encore fold. Je le sens pas. Je sais pas. Je pensais ok, chove, mais j'ai toujours l'impression que je peux trouver un peu mieux comme spot. Si à suite, je vais fold aussi. Paire de 6, on y est par contre. Bon, comme tout à l'heure, on va. J'ai vraiment pas le choix. Je suis le plus short d'assez loin, donc on va raise. Allez, fold, fold. Ah là 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 là. Bon. C'est l'heure de doubler. Juste 2 secondes, ouvrir le tab, voir s'il y a un tapis. Voilà, Scorpio, si tu chauffes, je vais t'attendre. Bon, tu sais quoi? On va call, on va pas prendre le risque. Ah là là, le 6 à la river est beau. Bouh! Bon, 10e, la pire place. Plutôt décevant. C'était un beau deep run qu'on a vécu, mais 10e place, c'est pas comme on a dit. On se contente pas de ça. On est là pour des victoires. Donc, je vais ouvrir le top 50 à la place de ce tournoi. Ah là 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 là. Dommage, dommage. On a vibré, mais dixième, ça nous satisfait pas. Je me suis retrouvé short pendant tout un moment. Je me suis bien battu, mais à un moment, il va falloir doubler. Et ça, c'était le coin flip pour me remettre dans le game. Mais malheureusement, il n'est pas passé ce coin flip. Allez, on y croit, la session est belle. On va chercher la victoire quelque part ce soir, je vous le dis. Moi, je vous le dis, on est là pour aller chercher une grosse victoire. Ah, The Walkout qui me suit sur toutes les tables, qui fait un shove ici. J'étais excité de voir un flop en position. J'étais très très excité. Rah. On a Dame huître. On gagne un coup avec Dame huître et c'est le break qui fait du bien, bizarrement, ce break. Parce que j'étais un petit peu assommé. Ici, j'ai 15 blinds sur le Battle Royale et je suis 17 sur 19. Encore une lutte pour faire l'ITM. J'ai pas mal de bounty. Donc, qui dit pas mal de bounty dit moins de fold equity. Les gens veulent mon bounty, vont me payer plus large. Du coup, ça va être plus compliqué. On est 18, je vois. Il faut 3 bustos. On voit qu'on est 3 joueurs très serrés ici. N'importe qui peut busto. Mais bon, en même temps, j'ai pas envie de fondre et me retrouver short stack pour l'ITM. J'aurais pas peur de gamble. Il y a 2 000 € au bout, plus les bounties. Ça va faire un beau billet. Je suis là pour une victoire. Donc voilà, je prends un peu l'air et on se retrouve dans 5 minutes. On fait comme on a dit. Allez, salut, à tout à l'heure!
On est de retour pour les choses sérieuses. Assez dommage cet extrême. On n'était pas loin d'aller chercher la perf. Mais bon, il me reste des beaux tournois. Il faut oublier, aller de l'avant. On est là pour chercher une victoire ce soir. Donc le Battle Royale maintenant, c'est les choses sérieuses qui commencent. Allez, Carlos qui chauffe avec un bounty de 600 euros. Ce qui est énorme. Je m'attends à ce qu'il se fasse call beaucoup. De l'espoir qui a un énorme stack. Il devrait le call. Il réchauffe. Parfait. On veut faire ITM d'abord. Sur le high roller, 23h18. Oh là, il a déchaté, il a bust. Sur le high roller, il reste 17 minutes pour re-entry. Allez, souhaitez-moi bonne chance, c'est le moment de doubler. Ici, malheureusement, le short a double up. Je suis 16 sur 17. L'extase, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé dans ce tournoi. J'ai pas vraiment gagné de gros coups. Voilà, là, ça, voilà, je parle trop vite. On prend un réchauffe énorme. J'open quand même pas mal de mains. J'ai une vraie main. Ah là là, tout le monde me colle. Il faut un as ou un roi au flop là. J'adore pas. Je suis quand même assez bête. Il y a beaucoup de mains que je peux faire folder quand même. Même si clairement il y a des dames dans le range. Allez, fold, fold over mind. Bon, ici je vais la gamble le top 50. Par contre, là je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois barrel ou pas? Je pense que je vais quand même deux barrels. Là là là. On va rentrer. Là là là, je suis en difficulté. Rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Bon, il me chauffe, ce qui me rassure un petit peu. Parfois me faire bluff par des 9-10 qui ont flotte le flop. Ah non, 9-10, non. Non, il n'y a vraiment rien que je bats. C'est un easy fold. Deux valets. On y est. À la bulle, c'est le moment, c'est le moment. Il y a de l'espoir, pas d'overcard. Non, ça c'est une blague. Le type relance toutes les mains, il a deux rois. Non, ça je peux pas croire. Non, c'est dégueu ça. Ça c'est vraiment fou. Le type relance toutes les mains, je sais qu'il va me call, mais il doit avoir 7 et 4. Il relance 100% des mains. Il a trouvé deux rois dans ce spot à deux de l'argent. Waouh, c'était méchant ça. Très 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 méchant. Waouh! À deux de l'argent. Trop content de voir deux valets ici. C'était le spot de rêve.
Le type voit deux rois de l'espoir, mais quel chatard! J'en reviens pas à ce truc, c'est un truc de malade. Bon, je me suis battu pendant des heures, ça a coûté 250, j'ai récupéré 230 en bounty, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Sur le top 50, je chauffe, allez, on n'a plus le temps du tout! Ici, je vais chauffer aussi. Allez, le flip. Ouais, perdu. Quel flop. Allez, de nouveau, deux rois, le 6 dans le ventre. Demain. Oh là là, on buzz de tout, on buzz de tout. Rien ne va plus, plus rien ne va. Rien ne va plus. Allez, salut, kid bull. Oh là là. Je me suis bien fait défoncer. Les 5 blinds, je les mets. Il me reste plus rien en fait, c'est marrant, j'ai buzz de tout en même temps. Je sais pas vraiment ce que je. Si je veux rien trier. Je sais même pas si je peux rien trier. Le high roller, il me reste 7 minutes, il me reste 16 blinds. Ah là 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 là, rien ne va plus. Pourquoi? Pourquoi? Je peux même plus rien jouer, la session est finie, j'ai l'impression, pour Kid Bull. Rien ne va plus, les gars. C'était sympa. Je me suis bien fait défoncer. Je peux plus rien trier. J'ai buzz de tout, messieurs, dames. La session va être difficilement positive. Très difficilement. Là là. Rien ne va plus. Moi, je suis pas sûr de ce que je vais faire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'avais prévu de stream plus longtemps que ça. Je voulais pas. L'horreur, lui, il a compris que je relance UTG, j'avais même pas vu, je suis fatigué, je suis foutu. Là là. Dites-moi ce que vous pensez, je sais même pas quoi jouer, j'ai bust top 50, ouais, il reste quand même des...